Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Athènes ce mardi, a dit espérer un dialogue entre la Grèce et la Turquie. Les dissensions entre les deux pays sont au plus haut depuis qu'Ankara a déployé le 10 août un bateau sismique pour procéder à des explorations au large du Nil grec. Dire que nous débattrons de cette idée d'une conférence multilatérale, parce que là, au-delà du dialogue bilatéral, il y a la nécessité probablement de mettre autour de la table les différents pays afin d'aborder les différents sujets. Si nous avons des exemples tangibles et que ceux-ci se poursuivent, nous sommes prêts à commencer immédiatement. J'insiste sur le fait que nous devons immédiatement entamer des entretiens exploratoires avec la Turquie. En ce qui concerne le seul différend majeur que nous ayons, la délimitation des zones maritimes, la zone économique exclusive dans la mer Égée et en Méditerranée orientale. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui souhaite lui aussi entamer des discussions, n'exclut pas des sanctions économiques face à l'agressivité de la Turquie. Ce qui s'est passé pendant l'été est inacceptable. La Turquie doit s'abstenir de prendre des mesures unilatérales. C'est un élément fondamental pour permettre au dialogue de progresser, ou plutôt de commencer. Un sommet européen se tiendra lundi à Bruxelles pour concrétiser ces sanctions, sachant que l'unanimité des 27 est requise pour adopter des mesures coercitives contre un État tiers.